Vous croyez que votre journal a l'air assez solide pour s'y attaquer? Oui, je le crois. Et vous? Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'église l'ont appris et n'ont rien fait. On n'a jamais mobilisé de ressources d'investigation à long terme sur cette affaire. Non, jamais. Et c'est le genre de choses que votre équipe ferait? Spotlight? L'église jettera toutes ses forces dans la bataille. J'aurais besoin d'informations complémentaires. Je ne veux aucune trace de cet entretien. Pas de notes, rien. D'après nos infos, vous avez négocié plusieurs affaires avec l'église. Je suis tenu au secret. Pour un petit garçon pauvre qui grandit à Boston, quand un prêtre fait attention à vous, c'est pas rien. C'est difficile de dire non à Dieu. Ils tenteront de faire taire tous ceux qui parlent. Laissez-moi tranquille, nom de Dieu! 6% passe à l'acte. 6%, ça fait 90 prêtres. Si on avait autant de ces enfoirés, vous pensez bien que ça se saurait. Peut-être que ça se sait. Tu vas me donner les noms des prêtres et ceux de leurs victimes. J'espère que tout ceci peut rester entre nous le temps qu'on se mette au diapason. C'est pour ça qu'on est là, on doit se mettre au diapason. On a le choix entre deux sujets. Un sur la perversité du clergé, un autre sur une bande d'avocats qui transforme des viols sur mineurs en un juste fonds de commerce. Lequel de ces deux papiers tu veux qu'on sorte? Parce qu'on en sortira un. Ils savaient et ils ont laissé faire! Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, ou n'importe lequel d'entre nous!